Salut à tous et bienvenue. C'est un grand jour pour le continent américain car c'est aujourd'hui que s'ouvre cette compétition. Les 12 plus grandes nations vont s'opposer. Comme d'habitude, l'ambiance est exceptionnelle ici. Regardez et écoutez ce stade. On en prend plein les yeux. J'espère que vous allez apprécier autant que nous. Il tire et le but. Et regardez un peu qui marque dès le début de cette rencontre. Et oui, tout repose sur la détermination. C'est ça les grands joueurs. Ils ont opté pour la simplicité, ils ont eu raison. Oui, le service était impeccablement dosé, ça l'a parfaitement lancé. Et derrière, il ne tremble pas. Ils sont bien rentrés dans ce match et ouvrent la marque très tôt. Le ballon dans la profondeur. Avec Campbell. Il cherche son coéquipier. Le Brésil est vraiment bien rentré dans cette rencontre. Ça fait donc 1-0. Tejeda. Campbell. 15 minutes se sont écoulées. Tejeda maintenant. La passe dans la profondeur. Campbell. Bon service dans la profondeur. Bruno Guimaraes. Rodrigo. C'est joué dans l'espace. La passe dans la profondeur. Oh, la frappe. Le centre. Une autre chance. Et il marque. Attention à ce rythme-là, ça va finir par faire très mal. Quel sang-froid quand même pour échapper à la défense et conclure cette action. Quelle puissance chez ce joueur. Pourtant, la défense a fait tout ce qu'elle a pu, mais il est inarrêtable. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. C'est bien d'avoir fait le break comme ça. À 2-0, on respire un peu mieux. Ça passera sur le côté. Allez, c'est dangereux. C'était un bon tir. Mais le gardien a eu la main ferme. Bruno Guimaraes. Gabriel. Bruno Guimaraes maintenant. Casemiro. Oh la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Voilà une bonne occasion de contre. Dans la profondeur, bien vu. Danilo. Joelinton. Bien, la profondeur. En jeu.
Le ballon circule bien, techniquement c'est soyeux. Ça peut être dangereux. Ah, ça n'ira pas au bout. Ça peut partir en contre. Le Brésil qui mène toujours au score alors qu'on s'approche de la mi-temps. Il allonge le jeu. Tejeda, il a de l'espace. Ça peut faire mal. Oh, but! Et il faut dire que dans cette position tout seul, il ne manque pas souvent sa cible. Il savait exactement quand et comment cette passe allait être jouée. Ses coéquipiers se comprenaient à la perfection. Et il ne compte plus qu'un petit but de retard. C'est bon pour le moral, ça. Et s'ils allaient chercher l'égalisation? Allez, oui, ça part bien. Non, ça manque d'application. Roberto Carlos. Joelinton. On est maintenant dans les arrêts de jeu. Il tire vers l'avant. Il a de l'espace. Hors jeu, apparemment. Marquinhos. Joelinton. C'est intercepté. Ça aurait pu faire mal. On ne s'est pas ennuyé. On a vu les buts. Et tout reste à jouer en seconde période. Une première période bien agréable avec des occasions, des buts et un score qui nous promet un deuxième acte très ouvert. Je trouve que c'est un match animé, avec deux équipes qui jouent vraiment. Alors oui, les entraîneurs vont sans doute râler à la pause, car ça manque un peu de solidité en défense, on peut le dire. Mais nous, on ne va pas se plaindre de voir les buts. Hein. 2-1 au tableau d'affichage, un seul petit but les sépare. Et on est déjà reparti. Il remporte son duel. Et c'est bien par-dessous de la tête. Oh, c'est un arrêt important, ça. Oui, il était bien concentré. Bravo. Casemiro. Il est bien trouvé. Il cherche un coéquipier dans l'axe. Et ils vont pouvoir respirer. C'est joué long, c'est dangereux. Neymar. Dans la profondeur. Il joue un peu avec le feu, là. Oh, ce jeu de passe, quel régal. Le ballon dans la profondeur. Un centre rasant. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. C'est vrai, Grégoire. C'était difficile comme geste. Joel Campbell. Tejeda, qui a donc offert un but à son coéquipier. C'est osé. Bien donné, plein axe. Tout seul. Il y a peut-être un coup à jouer. La bonne lecture. Pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Substitution for Brazil, number 8. Coming on the field is number 9, Ayrton. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. C'est dégagé. Il a fait l'appel et la course qu'il fallait, mais ça s'arrête là. Dans l'espace. Ah non, ils ne se sont pas compris. Il peut y avoir la tentative. C'est dégagé, loin. Bon, c'est pas pour cette fois, mais c'est bien de continuer à attaquer comme ça. Cherche la profondeur, c'est intercepté, attention. Il ne se pose pas de questions. La longue passe. Bonne interception, il y avait danger. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Oh, voici Neymar. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Ça fait du bien. Et ils n'attendent plus qu'une seule chose maintenant, le coup de sifflet final. Attention, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. L'interception, bien joué. Oui, il a bien anticipé. Il avait bien lu cette passe.
Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre, c'est fini pour cette rencontre. Et c'est exactement le genre de départ dont ils pouvaient rêver, ça les met en position idéale pour le reste de la compétition. Neymar, qui reçoit le trophée d'homme du match, bravo, c'est mérité. Darren, c'est l'heure du bilan, je meurs d'envie de connaître votre opinion.